après quelques jours, voire quelques semaines du coup d'État, les membres de la coordination nationale du FNDC ont été invités au niveau. Pour inquiéter, pour intimider les membres de la coordination du FNDC. Alors, je disais que dès après quelques semaines du coup d'État, Ils sont là pour la liberté d'expression. Quelques semaines après, je disais quelques semaines après le coup d'État, les membres de la coordination nationale du FNDC ont été convoqués au niveau du palais Mohamed V. Ces jours-là, dans la salle, il y avait entre autres. Colonel Bala Samoura, Sadiba Koumaré. Colonel Amara, m'étaler là-dessus parce que vous êtes témoin de la scène. Je vais donner la parole à Ibrahim, il va vous dire la marche à suivre. Mais le peuple de Guinée doit savoir que le combat ne peut que commencer. Parce que la même personne que vous voyez aujourd'hui, c'est la même personne qui nous a arrêté le 12 octobre 2019 au domicile de M. Sano. Ça veut dire que c'est la même personne qu'on utilise encore pour commettre les mêmes forfaitures. Même dans la pleine dictature de M. Alpha Condé, on n'en était pas en arrivé là. C'est pour dire au peuple de Guinée aujourd'hui qu'il est primordial que nous combattons ces putschistes pour les mettre dehors. Parce que notre démocratie est en danger et la loi du talion ne peut pas marcher ici parce qu'on a fait le choix d'être dans la démocratie. Merci beaucoup. Donc, je vais pas vous raconter le spectacle auquel le CNRD nous a offert ici. Parce que ne trouvez pas le responsable ailleurs. C'est le CNRD qui est derrière tout ça. Nous étions informés avant cette conférence de presse. On était au courant. Starlight n'est qu'un pion, n'est qu'un exécutant d'une démarche machiavélique conduite, dictée par les forces occultes qui se trouvent au sein du CNRD. Les forces du mal qui aujourd'hui sont haineux
contre le succès du FNDC. Donc, haineux contre le respect que les citoyens accordent au FNDC. Et ils savent que tant que le FNDC vit, ils ne peuvent pas sucer ce pays-là. Ils ne peuvent pas s'éterniser au pouvoir. Ils ne peuvent pas gouverner ce pays comme bon leur semble. Parce que le FNDC est sentinelle de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez suivi l'actualité par le passé. Quand nous avons programmé la marche du 23, il y a nos t-shirts qui sont gardés par les éléments de la DPJ. Là. Ceux qui sont venus là, c'est eux qui ont pris ces t-shirts là, 1500 t-shirts. 1600 t-shirts en 2019, au début du combat du FNDC. Ils les ont saisis, ils les ont gardés à la DPJ. À l'approche de la manifestation du FNDC, ils ont pris ces t-shirts-là. Ils ont envoyé les t-shirts pour effacer le troisième mandat derrière, mettre le nouveau slogan, le hashtag du FNDC, transition mandat Mara, à l'effet de s'infiltrer dans la marche du FNDC pour commettre des crimes, afin de porter ces crimes-là aux leaders et responsables du Front National pour la Défense de la Constitution. Mais nous avons été informés auparavant. Vous étiez témoins quand nous avons saisi ce t-shirt. Le monsieur qui était en train de faire ce travail a témoigné. Il y a un huissier qui a fait le constat et le dossier est dans les mains de nos avocats pour la justice. Et quand on commet, quand on instruit la police de pouvoir s'organiser pour la contre-manifestation, de doter leur tenue pour porter les t-shirts du FNDC, pour aller commettre des crimes afin de porter ça sur le dos du FNDC. Vous comprendrez bien que tous ces actes-là contrastent avec le premier discours tenu par Mamadi Doumbouya lorsqu'il a pris le pouvoir. Parce qu'il avait dit à bas l'injustice. Il avait dit qu'il ne va pas répéter les pratiques du passé. Et ça, exactement, ce sont les pratiques du passé. Et procureur Charles Wright était celui qu'on a mis en avant pour pouvoir préparer l'opinion afin que lorsque ces gens-là vont commettre, les contre-manifestants là vont commettre des délits pour que lui, il active l'action publique contre les membres du FND. Mais ça n'a pas marché parce qu'on a pris le devant, on a saisi cette chose. C'est M. Charles Light qui a en quête de célébrité se permet aujourd'hui de prendre, de mettre la justice à terre. Parce que voyez la légèreté avec laquelle il annonce des poursuites. Il a déclaré aujourd'hui dans une émission de la radio Film FM à grande écoute que Founké Mangue a fui, qu'il a toutes les informations, que Founké Mangue n'est pas là, qu'il est au Maroc. Alors que c'est Founké Mangue qui est là, là, qui a été arrêté là, tout de suite. Donc vous comprenez, il a dit également que Gianni Alpha a dit que les membres du CNRD sont des Bilakoro. Vous avez suivi la publication de Gianni Alpha. Il n'a jamais été... Les membres du CNRD sont des Bilakoro. Il n'a jamais dit ça. Vous avez suivi la communication de Gianni Alpha. Ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui... Ce n'est qu'un exécutant, que quelqu'un qu'on appelle au téléphone, des forces du mal, des forces occultes appellent au téléphone pour dire va commettre cet acte, va poursuivre les militants pro-démocratie. Mais comme nous l'avons dit ce matin, rien n'arrêtera le combat du FNDC. Nous qui sommes là, là, on est prêts à rejoindre nos camarades. Rien ne nous arrêtera. Vous avez suivi, ça n'a pas interrompu notre conférence de presse. On a poursuivi la conférence de presse pour dire ce qu'on a à dire. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que c'est le CNRD qui ne veut pas la paix dans ces pays. C'est le CNRD qui ne veut pas le dialogue dans ces pays. Puisque le FNDC a arrêté le CNRD dans une entreprise de s'éternisation du pouvoir, j'ai vu les rapports de force ont changé, par haine, on dit puisque c'est ceux-là qui nous empêchent de gouverner, c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on reste longtemps au pouvoir, c'est ceux-là qui disent que la transition mandat Mara, maintenant, on va accepter, mais il faut que ceux-là ils puissent aller en prison. Il faut qu'on les inquiète. Mais c'est mal connaître les membres du FNDC. Nous avons tous fait la prison. Ceux qui sont arrêtés là également ont fait la prison. Vous avez vu Founké Mangue
On a demandé à ce qu'il fasse une lettre de pardon pour sortir. Lorsqu'il était emprisonné par Alpha Condé, il a refusé. Il est sorti 2 jours après le coup d'État. Donc rien ne va arrêter la marche du FNDC. Et je vous annonce tout de suite, science tenante, que nous allons nous retrouver dans les 48 heures. Et soyez rassurés qu'une date de la manifestation, une manifestation sera annoncée dès la semaine prochaine pour exiger, pour dénoncer d'abord cette arrestation arbitraire de nos camarades. La violence avec laquelle ces gens-là ont arrêté nos camarades. Vous les avez suivis. Celui qui a conduit l'opération a demandé devant vous. Il demande, aux policiers, tirez sur eux. Non, il lui tire une balle d'abord. Il demande aux policiers de tirer sur nous. Heureusement, eux-mêmes, ils ont filmé. Donc. Vous avez vu ça? Vous avez ces images-là. Montrez, comme si on vous dit que c'est la police qui tire sur les manifestants, c'est la preuve éloquente. Il a demandé, que là, il dit tirez sur eux. Vous étiez là, vous avez filmé ça. Nous allons dénoncer cette brutalité-là d'abord. Nous allons dénoncer la caporalisation de la justice guinéenne par le CNRD. Nous allons également dénoncer les attitudes du CNRD tendant à priver les citoyens de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation. Mais soyez rassurés, nous allons sortir également pour manifester et exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel parce que ce sont ces pratiques-là que nous avons combattues pendant le régime de M. Alpha Condé. On ne peut pas accepter que les mêmes pratiques continuent d'émerger dans ce pays. Donc je voudrais lancer un appel aux citoyens pro-démocratie de rester en mouvement et à l'écoute de la coordination nationale du FNDC. Dans les 48 heures, une déclaration sera faite pour annoncer la reprise de la manifestation pour la libération des... Sans mandat ni convocation. C'est la première occasion. Mais soyez rassurés, le FNDC a déjà montré sa bonne foi à la veille de la manifestation pour accepter la main tendue du Premier ministre. Également des sages, entre autres, et des religieux pour reporter la marche. Mais vous comprenez bien sûr qu'il y a des forces occultes qui ne veulent pas la paix dans ce pays, qui veulent brûler ce pays. Mais Inch'Allah, nous n'allons pas reculer dans la défense de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie. Merci Ibrahim, merci. Ibrahim a lancé, comme l'appel qu'Ibrahim a lancé aux citoyens pour la démocratie, notre pays est en danger et notre pays est pris en otage par une junte. Notre nombre sera notre force, notre combat pour libérer la Guinée a commencé depuis 3 ans. La Guinée n'est pas encore libre, il y a une force occulte qui prend en otage. Chacun d'entre nous est menacé aujourd'hui, que tu sois citoyen, que tu sois acteur de la société civile, artiste, journaliste, vous avez fait preuve, vous avez vu, vos appareils ont été cassés, d'autres ont été blessés, vous avez fait preuve de la brutalité des policiers. On a demandé un mandat, il n'y a pas eu de mandat, nous sommes des citoyens libres, quand on nous donne un mandat, on se présente devant la justice. Maintenant que nous voyons que nous ne sommes plus dans un état de droit, il n'y a plus de porte ouverte pour le dialogue, nous voyons que nous sommes dans une dictature. Nous allons mener ce combat et ce combat sera mené par le peuple de Guinée et nous appelons le peuple à rester mobilisé jusqu'à ce que la Guinée devienne un pays démocratique et vertueux. Je vous remercie. Après la haine, précisez que jamais la BRB a débarqué ici. Et c'est la même qui avait débarqué le 12. La BRB le 12 a débarqué. Cette unité de la direction centrale de la police judiciaire est censée traquer, arrêter des bandits et les terroristes. C'est cette brigade-là qu'on a envoyée ici avec des armes en main pour arrêter des citoyens de la démocratie. Merci.